Comme dans tous les jeux vidéo, dans Splatoon 3, il y a parfois des petits défauts qui peuvent poser problème. Ohio les Squid. Dans cette vidéo, nous allons voir ensemble des mods pour Splatoon 3. Mais avant de commencer la vidéo, je tiens simplement à préciser que je ne mettrai aucun lien des mods dans la description, puisque je risque d'avoir des problèmes si je mets les liens des mods. Pour augmenter votre flow de 333%, rien de mieux qu'une musique de Giga Shad à la fin d'un niveau dans Alterna. C'est ce que propose ce mod et je vous le fais écouter juste ici. Toujours dans l'augmentation du flow, il existe un mode pour modifier la texture de certaines chaussures du jeu, ce qui permet d'en faire des chaussures Among Us. Si vous souhaitez modifier l'apparence de vos drones à l'effigie de Persona 5, sachez qu'un mode pour cela est disponible. Un mode qui modifie l'arme Kensa à l'effigie de Splatling, donc le bot qui informe des rotations des maps Splatoon et autres sur Discord, est disponible. Toujours pour ce qui est de la modification visuelle de vos armes, il existe un mode pour modifier votre arme en y apportant des skins à l'effigie des idoles. Il existe également un mode permettant de modifier la couleur de votre tenue en Salmon Run, ce qui est pratique si vous n'avez pas envie de fermer des pièces d'argent et d'or. L'un de ces modes vous permet de supprimer les crédits à la fin du mode héros. Et ça c'est cool pour ceux qui veulent contempler pleinement les différents paysages dans l'espace. Si vous n'aimez pas les nouveaux designs des Squid Sisters et que vous préférez l'ancien, alors ce mode sera fait pour vous. Il permet de remplacer les badges des Squid Sisters de Splatoon 3 par celles de Splatoon 1, de quoi apprécier davantage votre bannière si cela n'était pas à votre goût. Voici un mode qui va être apprécié de ceux qui adorent les défis car il permet d'augmenter davantage la difficulté du niveau secret du mode héros de Splatoon 3. Tout simplement en liquidant votre Inkling si vous êtes touché d'un seul coup par un ennemi ou que vous êtes en contact avec l'ancre adverse. Dans la suite de ce qui modifie l'apparence des logos du jeu, on a un mode qui va modifier le logo du Kraken Royal en Octoling Royal, que ce soit sur les armes dans le coin de l'écran ou les badges Kraken d'argent et d'or. Il existe également un mode pour Mario Kart 8 Deluxe qui permet d'utiliser l'Inkling et l'Octoling promotionnel de Splatoon 3 dans le fameux jeu de cartes de Nintendo. On touche à la fin de cette vidéo et j'espère que ce thème un peu différent de ce que je propose d'habitude vous aura plu. Je vous invite à me dire en commentaire le mode qui vous a le plus plu dans cette vidéo. Si vous avez aimé la vidéo, je vous invite à rejoindre la secte des Inklings ainsi qu'à la partager à vos potes. Vous pouvez aussi me suivre sur Instagram, je fais des mèmes sur Splatoon ainsi que des stories autour du fameux jeu coloré, qui a moyen que vous trouviez votre bonheur là-bas. Prenez soin de vous, on se retrouvera bientôt pour des vidéos autour de la licence colorée et sayonara les squids.